Faut que j'aille chez le coiffeur, les gars. Rien de ça. Faut que j'aille chez le coiffeur. Je sais que ça, c'est sympa, tu sais, avec la casquette. C'est sympa, ça, tu vois. C'est sympa. Tu vois, mais... Les gars, il faut que je vous avoue quelque chose. La calvasse. La calvasse, elle arrive. Mais ouais, les gars, j'en ai marre. Ça fait bizarre, hein? Le front, bah, c'est normal, mec, c'est normal. Là, je sais pas ce que j'essaye de faire, les gars, je vous avoue. Je ne sais pas ce que j'essaye de faire. Mais voilà, j'expérimente. J'avoue que j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur également. Mon cher, y a ça, tu vois. Y a ça, tu vois, qui marche bien. Ça va bien. Ça marchait dans les 90s, tu vois. Dans les 90s, quand t'es comme ça, tu vois. Ça va? Il y a un jour, je dois dropper cette casquette, les gars. Salut les gars, c'est Narine Mucus. Salut, ça va, c'est Narine Mucus. Vous allez bien? Donc ouais, je sais pas trop quoi foutre, les gars. Et c'est vrai que si je les mets en arrière ou si je me coupe les cheveux, ça fait ça. Et là, du coup, vous voyez, le front fait 95% de mon visage. Tu vois? Et donc, il y a un vrai truc, quoi. Vent en Turquie, bah, je suis à deux doigts. Tu vois, parce que là, effectivement, il y a quand même un petit truc, tu vois. Il y a quand même un petit truc, tu vois. Je sens que c'est plus fin. Je sens que, tu vois, c'est plus... c'est un petit peu plus travaillé, tu vois. Alors, vous savez, quand je vais chez le coiffeur, le mec m'attache les cheveux comme ça. Et là, c'est là où tu vois. C'est là que tu vois, il y a un problème. Tu vois, c'est là que tu vois qu'il y a un problème.